Alors, bonsoir, bonsoir madame, bonsoir monsieur, bonsoir chers amis. C'est avec un plaisir particulier que je viens vers vous ce soir pour que nous échangions par rapport à cet audio qui est très 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 intéressant, très interpellateur. Et c'est un résumé que j'ai pris le temps de faire et c'est en le faisant aujourd'hui que j'ai compris se cachait derrière cet entretien, derrière cette confrontation entre Michel Ndoki d'une part et le ministre à la justice, le ministre qui est affecté dans le département de la justice du Cameroun, Jean de Dieu Momo. Je vais, dans cet entretien avec vous, décrypter en quelque sorte les fondamentaux même de cette discussion et nous allons pas à pas, vous et moi, comprendre les non-dits dans cet entretien. Vous allez voir que l'entretien qu'il y a eu entre Jean de Dieu Momo et Michel Ndoki dit énormément sur la situation actuelle du Cameroun, mais pas seulement. Ça dit exactement comment est-ce que nous pouvons passer, par quel chemin nous pouvons passer pour modifier, pour permettre aux Camerounais lambda qui est au pays de comprendre exactement comment et pourquoi nous devons nous lever pour libérer le Cameroun. Je vous en prie, partagez ce direct. Avant que je ne commence, je vais déjà rappeler à beaucoup de personnes qui viennent de se connecter que demain, à partir de 15h, il y aura un direct qui sera une retransmission d'une conférence qui aura lieu du côté de Paris. C'est une conférence du professeur Govi Gomez qu'on ne présente plus. C'est un professeur hors norme. C'est quelqu'un qui a représenté l'Afrique, qui se bat pour l'Afrique depuis des années. Et il va faire une conférence dans laquelle il va parler de l'ouvrage du professeur Maurice Kamto, L'urgence de la pensée. Et je vous convie donc massivement à faire passer le message, à informer vos amis, vos frères, vos soeurs, vos proches de ce que demain, il y aura une conférence qui va être retransmise sur cette même page TV, Online TV, dans laquelle le professeur Govi Gomez, le confrère Abdelaziz Moundé, qui va aussi y prendre part, il y aura d'autres personnes aussi comme ça qui seront invitées. Il y a Martial Bissok, que vous connaissez, qui sera aussi partie prenante demain dans ce contexte-là. Donc, Stevie, sans votre humble serviteur, va essayer de retransmettre déjà d'une part cela et d'autre part essayer d'assurer la modération. Et comme je vous disais tout à l'heure, ce n'était qu'à titre publicitaire de vous rappeler ce qu'il y aura demain. Donc, maintenant, en ce qui concerne notre entretien de ce jour, je vais déjà vous laisser le temps de finir de suivre l'entretien entre Jean de Dieu Momo et Michel Ndoki. J'ai fait un résumé pour vous d'une première partie pour que vous compreniez le fondamental, les non-dits de cet entretien-là. Et maintenant, après, on va repasser élément par élément toutes ces prises de parole-là au scribe de l'analyse. Donc, mettez-vous à l'aise, continuez de partager. Nous suivons la vidéo et après, on revient derrière pour continuer l'analyse. Vous dites qui je suis. Elle sait ça. Elle sait très bon, d'accord. Monsieur Momo, nous sommes ici pour vous aider. Donc, je suis exactement et toujours le même. Qui a défendu, vous avez dit, Mancho Bibixi, vous Mancho oubliez. Bibixi. C'était Vous pas il y a avez si longtemps, dit, c'était en Neuf 2017. disparus de Bepanda. J'ai défendu Bouamassok. J'ai défendu Essama, André. Comment vous êtes déconstitué? Bon, vous savez, comme je suis devenu là où je ne suis plus, je ne peux plus exercer, Oui, vous d'après la devriez loi. d'ailleurs demander votre audition. C'est pas à moi de demander, En ceci. c'est la loi dit que je ne peux pas. Donc la loi a déjà tranché. Ah ben le tribunal n'est pas Vous informé. m'avez. Bon Dieu. Et c'est ça les trucs parasites Non, là on vous demande simplement de vous déconstituer. Vous avez le devoir de solliciter votre omission du tableau, cher confrère. D'accord, allons-y. Et je disais donc. Et en tant que ministre, de là où vous êtes ministre, vous devriez donner cet exemple. Donc, avant que l'enfant ne pleure, nous avons. C'est pour dans vous son hein, qu'il temps, dit ça. Bouamassa. Nous avons défendu Essama, BBC, notre client. Je suis Qu'est-ce que je vous suis avez donc fait? davantage utile. Sauf que, s'agissant d'un ministère de souveraineté, vous avez pu remarquer que dans les réseaux sociaux, je parle de tout, sauf des activités liées à ma nouvelle fonction. Je ne parle pas dans les réseaux sociaux, dans les télévisions, des affaires
ici regarde mon ministère. Parce que je ne parle pas ici en tant que ministre ou membre du gouvernement, mais en tant que président du PADEC. La tendance du gouvernement et la tendance du chef de l'État en particulier, c'est de rendre compte aux citoyens camerounais, à nos concitoyens, de l'action du gouvernement. Alors, vous, vous faites beaucoup d'autres choses. Il est élu, je suis élu, mon frère. Oui, mais il n'y a pas que vous. Il n'y a pas que vous qui arrivez sur les plateaux de télévision. Bon, peut-être que vous pouvez prendre ce risque, mais moi, je suis dans un ministère. Vous trouvez que c'est risqué? Pourquoi est-ce que vous trouvez que c'est risqué? Je ne peux pas. Je vais vous dire pourquoi. Nous avons mais fait... vous oubliez la guerre. Ne m'interrompez pas. Ne m'interrompez pas. Ne m'interrompez pas, monsieur Momo. Est-ce que vous savez qu'il y a eu la guerre? Ne m'interrompez pas, est-ce que vous savez qu'il y a eu la guerre, madame? Je vous l'ai déjà dit. Je vous l'ai, excusez-moi. Monsieur Tonguay, excusez-moi. Excusez-moi. 2020, mais attendez. Je vous l'ai dit, monsieur Momo. Nous ici pour vous écouter. Allez-y, allez-y. D'accord. Mais il faut que vous laissiez l'autre terminer. Oui, chaque fois que vous ferez ça, je ne vous laisserai pas. Bon, allez-y alors, allez-y. Nous allons parler chacun à son tour, ça va marcher comme ça. Et nous allons avoir... Ah, bah si ça vous convient, donc... Merci de me laisser finir. Le Cameroun n'a fait que 4%. Alors, il a des phénomènes explicatifs. Nous sommes des experts dans l'art de nous trouver des excuses. Et je sais qu'il y a un certain nombre d'excuses applicables dans le cas d'espèce. Sauf que vous n'étiez pas responsable de la croissance. Le ministère de la Justice avait sa petite part à faire dans le DSCE. Et c'était... renforcer l'unité nationale et consolider la démocratie en promouvant les idéaux de paix, de liberté, de justice, de progrès social et de solidarité nationale. Qu'est-ce que vous faites, vous, aujourd'hui, pour promouvoir l'idéal de justice en tant que président du PADEC, M. Momo? Puisque vous défendez des valeurs, et je crois que c'est pour ça que vous avez été nommé ministre. Certains pensent que, en fait, on désigne des ministres pour leur permettre de manger et de boire à leur faim et de découvrir de nouvelles marques de champagne et de changer leur garde-robe et de s'acheter de nouveaux costumes. Je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est une injustice à vous faire. Je crois qu'on nomme des ministres... D'accord. Vous m'avez, Roderick Tonguay, signalé que c'est une émission d'impertinence. Oui. D'impertinence. Oui. Je tolère ces genres d'impertinence. Je les accepte. Mais pas d'outrage. Oui. Mais pas d'outrage. Voilà. Je ne veux pas que ça glisse à l'outrage, ni à l'injure, ni au dénigrement. Parce que sinon, je serais obligé d'enfourcher la rôle, la même verve. Je les ai faits avant vous. Donc vous si je veux je crois. Vous traîner dans la boue ici, je n'aurai aucune pitié que vous êtes une dame. Oui. Que je suis fou. Démissionnez comment? Mais vous êtes marqué, vous êtes allé. Ah alors, chers amis, chers camarades, chers frères camerounais, je viens de vous laisser comme ça un extrait. En quelque sorte, de ce que M. Jean de Dieu Momo a pu avoir comme échange avec Michel Ndoki quand il parlait sur les antennes de Canal 2. Alors, j'ai pris le temps de mettre ces images, ces sons ensemble. Pourquoi? Je vais vous expliquer déjà de prime abord. C'est parce que la psychologie camerounaise aujourd'hui est totalement meurtrie. Elle est détruite. Elle est déconstruite. Et dans cette déconstruction de la psychologie camerounaise, il y a dans ce débat que vous venez de suivre des éléments fondamentaux. Il faut que je mette derrière ces images pour que vous compreniez. Voilà. Voilà, il faut que je mette ça derrière comme ça pour que vous compreniez clairement de quoi je parle quand je parle de destruction du système camerounais, de la psychologie camerounaise même. Alors, désolé, vous verrez dans ce contexte Jean de Dieu Momo qui représente le système juridique camerounais. Et à côté de ça, il faut aussi comprendre que Jean de Dieu Momo, dans cet entretien, dans ce débat avec Michel Ndoki, représente aussi
la classe de l'opposition camerounaise. N'oubliez pas qu'il est le président d'un parti politique, le PADEC. À côté de lui, on a une avocate qui est elle aussi partie prenante dans l'opposition, non des moindres, du MRC, le parti principal d'opposition camerounais aujourd'hui. À côté de ça, il faut voir Michel Ndoki comme étant une activiste aussi, parce que il faut rappeler que quand on a tiré sur Michel Ndoki, c'est parce qu'elle menait une action activiste. Donc, elle est donc en tant que membre de la société civile, d'une part. Second point, elle est avocate. Donc, elle représente les deux parties qui sont en cause aujourd'hui, qui sont en confrontation. La société civile du Cameroun, qui est divisée en deux, avec ce qu'on appelle les Sardinas, d'une part, et les Tontinas, d'autre part. Vous êtes d'accord? Je vais rappeler ici que je ne suis pas trop pour ces appellations, parce que ces appellations bipolarisent le Cameroun. J'ai déjà expliqué ça dans plusieurs de mes directs. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que je veux dire quand je dis que ça bipolarise le Cameroun, je peux dire une phrase, mais ceux qui ont envie de comprendre dans la généralité, dans l'intégralité de mes propos, il n'y a qu'à aller. J'ai mis un lien, le lien qui est sur la page, là, sur le lien de ma page YouTube. À l'intérieur, vous trouvez toutes les vidéos que je fais sur Facebook. Donc, j'explique clairement pourquoi est-ce que je dis que le mot Tontina et le mot Sardina divisent les Camerounais. Ça divise les Camerounais pour la seule et simple raison que le Tontina, ce n'est pas une ethnie, ce n'est pas une appartenance culturelle, mais c'est une appartenance, c'est un pan, c'est un pendant. C'est une façon de voir le monde, c'est une idéologie qui est liée au soutien du non au hold-up, du non au gré à gré, du parti du professeur Moïse Kamto qui revendique un certain changement au Cameroun. Le côté Sardina, c'est en fait tout ce qui est opposé à cela. Pas qu'ils ne demandent pas le changement, non, ils demandent le changement, mais pour eux, le changement doit se faire en maintenant par exemple la corruption, en maintenant au pouvoir des personnes qui ont volé, qui estropient le Cameroun depuis des années. Donc c'est ça la différence entre le Sardina et le Tontina. Et vous comprenez que ça bipolarise le Cameroun. Pourquoi? Parce que ça bipolarise le Cameroun parce que ça ignore ce que c'est que les Tupouri, ça ignore ce que c'est que les Mundans, ça ignore ce que c'est que les Aoussa, ça ignore ce que c'est que les Bamoun, ça ignore ce que c'est que les Foufoulde, ça ignore, vous voyez, ça va mettre le focus sur deux grands groupes, les Boulou et les Bamleke d'autre part. Ça fait que les autres ne se reconnaissent pas dedans, ce qui rend un peu la lutte un peu polémique depuis un certain temps, bon, peut-être depuis toujours. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a une bipolarisation de ces deux mots-là qui m'amène moi particulièrement à ne pas trop utiliser ces mots. Ceci dit, voilà donc sur le plateau deux personnes. Michel Ndoki, maître Michel Ndoki, avocat au barreau du Cameroun. Maître Jean de Dieu Moumou, avocat au barreau du Cameroun. Tous deux internationalistes. Ça veut dire qu'ils ont fait le droit international. Maintenant, les deux ont un point commun. Ils sont de l'opposition. Deuxième point commun, ils sont de l'opposition. Troisième point, ils sont de la société civile. Quatrième point, ils sont avocats. Cinquième point, ils se sont tous battus contre le même adversaire. Quatrième point, aujourd'hui, ils sont réunis sur un plateau pour parler donc du droit et de la situation du Cameroun en ce qui concerne les établissements juridiques et les rapports des Camerounais avec la loi. C'est important que vous compreniez ce débat, parce que ce débat est l'un des meilleurs débats. Je dis bien, c'est l'un des meilleurs débats que les journalistes qui cachent l'information aux Camerounais ont donné aux Camerounais de voir, de regarder. Parce que dans ce débat, vous allez comprendre, vous allez regarder la façon dont Jean de Dieu Moumou se comporte. Il a trois personnalités différentes tout au long de la petite partie que je vous ai fait suivre. Je vais vous donner un petit extrait pour que vous voyez. Au début, Jean de Dieu Moumou est totalement dragueur. Excusez-moi l'expression, il est carrément dragueur parce qu'il ne sait pas sur quel pan Maître Ndoki va l'attaquer. Et parce qu'il ne sait pas sur quel pan Maître Ndoki va l'attaquer, il est totalement conciliant, il est gentil, il est totalement en train de la draguer. Je vais vous faire écouter un peu la première partie pour que vous voyez vous-même de quoi il est question. Un coup autour de la ceinture, autour de la ceinture. Parce que j'ai déjà dit que je... C'est l'arbitre qui décide, c'est pas vous. Je renonce à cette chanson, que je la rejette. Non, mais c'est une chanson. Je peux comprendre que vous renonciez au texte, mais le texte, c'est l'arbitre qui décide. C'est une chanson conçue. C'est l'arbitre qui décide. À un moment donné de ma vie. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Dans cette première partie, vous voyez Jean de Dieu Moumou en train de dire que Michel Ndoki parle de la chanson qu'il a faite,
où il attaquait Paul Biya. C'était un coup sous la ceinture parce qu'il a dit qu'il ne reconnaît plus cette chanson. Il se désolidarise de la chanson que lui-même a faite. Et Michel Ndoki lui dit, ce n'est pas moi, c'est l'arbitre qui décide. Je veux ici vous amener à comprendre les débats plus comme des amateurs, parce que le débat, ça prend. J'ai d'ailleurs fait quelques vidéos là où j'explique aux gens comment est-ce qu'on argumente quand on fait un débat. Le débat, ce n'est pas un exercice où on vient se mettre à bavarder, vociférer n'importe comment. Non, ça se prépare. Il y a une stratégie derrière le débat. Il y a des messages subliminaux qu'on passe dans le débat, parce que quand ils font le débat là, ils veulent que les personnes qui ont la capacité d'interpréter les débats comprennent certains messages. Et dans ce message-là, dans ce débat-ci, il y a beaucoup de messages que ces personnes nous passent. Même Jean de Dieu Momo comme Michel Ndoki, il y a des messages qu'ils nous passent, même sans le savoir. Donc, c'est pour ça que je vous dis avec une analyse, quand vous voyez la façon dont ils tiennent leur visage, les mots qu'ils disent, les réactions qu'ils ont, ça nous permet de comprendre des choses. Et c'est ça que je me lance, c'est ça que je me donne comme exercice aujourd'hui avec vous. Donc, la première partie, vous voyez un Jean de Dieu Momo qui est totalement conciliant. Il est en train de rire. Il dit que maintenant, vous ne devez pas m'attaquer sous la ceinture parce que là, ce n'est pas juste. Et Michel Ndoki de dit, ce n'est pas moi qui t'attaque. Donc, je suis totalement dans les règles de l'art. Je suis dans les règles du jeu et je n'attaque pas les gens. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, elle dit, c'est l'arbitre qui décide. Donc, je ne t'attaque pas personnellement. Je n'ai rien contre toi. Faisons notre débat et à la fin, c'est le peuple qui va décider de qui a raison et de qui n'a pas raison. C'est ça qu'elle dit. Donc, je vous fais encore écouter cette partie. J'étais égaré à diffuser et d'un coup, en dessous de la ceinture. Parce que j'ai déjà dit que je... C'est l'arbitre qui décide, c'est pas vous. Je renonce à cette chanson. Ah, que je la rejette. Non, mais c'est une chanson. Je peux comprendre que vous renonciez au texte. Mais c'est l'arbitre qui décide. C'est une chanson conçue. C'est l'arbitre qui décide. À un moment donné de ma vie, où j'étais égaré, avec les égarés, dans le maquis de l'opposition radicale. Et où je vivais, n'est-ce pas, dans le biotope de cette opposition-là. Donc, pardonnez-moi si je vais vite. J'ai donc écrit ces chansons qui retraçaient un peu mon discours politique de cette époque-là. Pour qu'on puisse diffuser dans les radios et télévisions, afin que je puisse capturer, n'est-ce pas, le suffrage populaire. Bon, ça a été un fiasco. Tout à fait. Donc, vous voyez, il explique dans quel contexte il a fait cette chanson. Et il dit qu'il a chanté ça parce qu'à l'époque, il était dans un biotope. Il était perdu avec les perdus, il était égaré avec les égarés. Et que ça faisait partie de son discours politique de l'État, de l'époque. Ça veut dire en quelque sorte quoi? Ça veut dire que la chèvre broute là où elle est attachée. Donc, il est en train de dire aujourd'hui que rien ne démontre qu'il soit réellement du côté de Biya ou bien du RDPC. Mais que là où il est, il a été avec des gens qui ne l'ont pas soutenu, les gens de l'opposition, ceux dont il parle, et que dans cette opposition, les membres qui étaient là-bas, eux-mêmes étaient égarés et ils n'arrivent pas à profiter de la situation actuelle. C'est pour ça qu'il dit qu'une opposition qui ne savait pas prendre, il était perdu avec les égarés eux-mêmes. Et avec le temps, il va le dire dans la phrase suivante, il va essayer de démontrer que chaque politicien doit tirer son épingle du jeu, peu importe les conséquences. Et il va le dire, prenez le temps de suivre. C'était un échec, puisque je n'ai pas gagné l'élection présidentielle. Néanmoins, je suis sorti 8e cette année-là. Et je crois que avec Kawala, c'était les décideurs. Ah, c'est l'arbitre qui décide. On a fait beaucoup de... fait maintenant des mémoires là-dessus. Donc vraiment... Donc c'était pas un fiasco. Hein? Puisqu'on a fait des mémoires sur vos chansons. Tout à fait. C'est pas assez merveilleux. Alors, on va aller pas à pas pour que vous compreniez élément après élément. Donc, il explique à Michel Ndoki que s'il a quitté en fait l'opposition, c'est parce qu'il n'a pas trouvé son compte dans l'opposition. Même les gens pour lesquels il se battait ne l'ont pas voté. C'est pour ça qu'il dit que ça a été un fiasco. Il n'a même pas été élu à ce moment-là. Mais le seul plus qu'il reconnaît, c'est que il a été avec Kawala, les révélations politiques aussi, et que d'autre part, il y a eu des thèses étudiantines, des thèses des étudiants qui ont été faites pour... Il y a des thèses des étudiants qui ont été faites sur son idéologie politique et sur son élection de cette année-là. Et lui, pour lui, ce n'est pas grand-chose. C'est pour ça que M. Ndoki lui dit, mais si les étudiants écrivent déjà sur ce que vous faites,
Si les étudiants écrivent déjà sur ce que vous faites, c'est un succès. Mais apparemment, lui, ça ne suffit pas. Pour lui, il voulait avoir la reconnaissance directe. C'est pour ça qu'il l'a donc. Il va le dire lui-même. Il va quitter dans l'opposition pour rejoindre là où il va manger. Je vous demande si vous n'avez pas envie de continuer pour inspirer la jeunesse. Maintenant que vous avez acte à sagesse. Tout à fait. Que vous avez trouvé votre vrai maître. Et que vous avez compris la vie. Ouais. Peut-être que vous avez envie, puisque vous dites vous-même que nous sommes trop peu intelligents pour comprendre dans les livres, ou en tout cas que c'est trop long, de réécrire une chanson pour que votre sagesse nouvellement acquise soit accessible au plus grand nombre. Ça, ce que Michel Ndoki vient de dire, c'est une insulte, c'est une insulte, mais grave. C'est une insulte, mais elle le dit avec de très beaux mots, avec un registre de langue vraiment élevé. Voici l'insulte qu'elle dit à Maître Momo. Elle dit à Jean de Dieu, Momo, tu n'as pas de personnalité. Quand elle dit que parce que tu es parti retrouver un maître, ça veut dire qu'il n'a pas de personnalité. Et parce qu'il n'a pas de personnalité, Maître Ndoki lui dit, puisque tu es parti retrouver ton maître, tu n'as pas de personnalité, tu n'as pas de charisme politique, tu n'as pas d'orientation, tu n'as pas d'objectif, tu n'as même pas une ligne que tu t'es fixée, même pas un objectif. Pourquoi tu ne fais donc pas la musique? Tu peux continuer de devenir artiste. Puisque la politique ne te réussit pas et que pour faire la politique pour toi, il faut absolument être sous la botte de quelqu'un ou de Paul Biya. C'est ce que Maître Ndoki lui dit. Mais lui, apparemment, ce n'est pas encore arrivé. Regardez bien, pour comprendre comment il va comprendre lui-même l'insulte de Maître Ndoki, regardez bien son visage. Vous allez voir que son visage va changer parce que dans sa tête, ce n'est pas encore arrivé au plafond. Et regardez sa réaction quand il va comprendre ce qu'elle veut dire. Avant que vous arriviez sur ce plateau, je disais à M. Rodrigue Tonguet qu'à une autre occasion, ici dans la même salle, alors que je n'étais pas là où je suis, j'avais, vous voyant, c'est la première fois que je vous vois, on ne s'est jamais vu. Je suis très content de vous voir en face. Je vous voyais à la télévision et je disais, cette fille qui est brillante, mais elle est en train d'être détournée, elle est en train de suivre les mêmes chemins que moi. Parce qu'en réalité, et ça je vous le confesse, je suis sincère. Donc, il a compris que Maître Ndoki n'est pas venu pour lui faire de cadeaux. Elle attaque, elle insulte réellement. Et il ne peut pas réagir mal parce que pour ceux qui regardent des vidéos où je dis aux gens comment est-ce qu'on fait les débats, vous allez voir que l'enjeu fondamental du débat, c'est d'amener la personne avec qui vous débattez à sortir de sa zone de confort. Puisque lui, en tant que grand, il est le grand ministre, il est celui qui dit à l'opposition ce qu'elle doit faire, il dit celui qui critique l'opposition. Michel Ndoki lui dit donc que toi qui es en train de critiquer l'opposition, tu n'as pas de personnalité, tu n'as pas d'objectif, tu n'as rien. De telle sorte que tu t'en vas même chanter. Puisque tu as chanté, tu peux continuer donc de chanter, devenir même artiste, puisque la politique ne te réussit pas. Tu es obligé de te cacher derrière un gourou comme Biya pour exister sur le plan politique et avoir un ministère. Alors lui, de son côté, il dit ceci, tout ce qu'il a dit là, c'est pour dire quoi en quelques mots, c'est pour dire à Michel Ndoki, c'est la première fois que je te vois. Toi et moi, on ne se connaissait pas avant. Pourquoi tu m'attaques? Moi, je te tends la main parce que tu es quelqu'un de bien et je vois que tu es en train de venir en force. Je ne sais pas quel élément tu as contre moi, mais moi, d'abord, je n'ai pas de problème avec toi. Il essaie un peu de montrer d'abord patte blanche. C'est la technique de l'embrassade. Il sait débattre, ce monsieur. Parce que la réaction aurait été quoi? Qu'il sorte de ses gonds et qu'il menace vite. Et qu'est-ce qu'il va menacer? Dans un débat, quand vous débattez avec quelqu'un qui a un rang politique au-dessus de vous, si vous réussissez à faire cette personne sortir de ses gonds et être obligé de vous dire qu'il vous dépasse dans le rang, dans la hiérarchie, c'est qu'il a perdu le débat. Parce que quand on justifie déjà sa position sociale, quand on justifie déjà son éloquence, quand on justifie, quand on prend son rang social, quand on prend son poste, pour justifier les arguments qu'on donne, ça veut dire qu'on n'a plus d'arguments, on utilise donc la force donc, du positionnement, de la position, de la hiérarchie pour asseoir sa position ou bien son argument. Donc, il ne veut pas tomber dans ce piège-là. Il tend plutôt la main à Maître Ndoki pour l'amener dans l'émotion parce qu'il voit peut-être que c'est une femme. Il se dit donc qu'en jouant la carte de l'émotion, il va la faire sortir de ses gonds parce qu'elle est en registre très posé, elle est calme, elle argumente. Il a peur de... Il a peur d'aller dans le risque de l'argumentation avec elle parce qu'il sait qu'il va perdre. Donc, il faut l'amener, elle, à sortir de son terrain. Et elle, de son côté, elle veut faire sortir Jean de Dieu Momo de son terrain. C'est un débat très intéressant.
très intéressant. Donc, suivez la suite. Il tente de faire patte blanche pour que Maître Ndoki vienne vers lui avec l'affection, avec le cœur, dans l'affection maternelle. Ils sont suivis. Cet avocat de l'insurrection, de la rébellion ou de l'opposition dite radicale. Ceux qui m'applaudissaient hier sont les mêmes qui me fustigent aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Regarde ce qui s'est passé avec moi, Maître Ndoki. Moi, on est en train de m'attaquer aujourd'hui et pourtant j'étais exactement à la même place que toi. Je vous ai dit au début de ce live que ils ont beaucoup de points communs. Ils sont avocats, ils ont fait partie de l'opposition, ils ont fait le droit international, ils ont beaucoup de rapports, beaucoup de points communs. Et aujourd'hui, les deux représentent l'opposition, même s'ils sont contre, ils sont en tant qu'adversaires sur le plateau, ils ont beaucoup de points communs quand même. Alors, il dit à Maître Ndoki, tu es avocate comme moi, regarde ce qui m'est arrivé et demain ça peut t'arriver à toi. Et il sait aussi les rapports que les pros, les personnes, les sympathisants du MRC ont vis-à-vis de Maître Ndoki. N'oubliez pas qu'il y a quelques semaines, elle a été attaquée par beaucoup de Camerounais sur la toile. Donc, il sait que c'est le moment pour lui d'essayer de la capter de son côté. Et pour ça, il faut montrer à Maître Ndoki qu'il est exactement comme elle et qu'elle, si elle ne prend pas la main qui tend, demain, elle peut se retrouver dans la même situation que lui. Ça veut dire attaquée par ceux avec qui elle est aujourd'hui. Donc, écoutez la suite. Et je suis certain qu'ils sont très à l'aise de vous accueillir, peut-être pour me remplacer, je ne sais pas très bien, mais quand même de vous soutenir. Mais si vous faites le moindre écart de les critiquer, vous allez voir comment ils vont vous lâcher. Donc, je voulais, quand je vous avais vu, j'ai dit, oh là là là, il ne faut pas qu'elle gaspille ce talent brut. Nous sommes à la veille de la Troisième République de ce pays. Voici la phrase clé de ce débat. Voici la phrase clé de ce débat. Écoutez bien ce que Jean de Dieu Momo dit. Voici la phrase clé. C'est là où Jean de Dieu Momo dit sa vraie position politique aujourd'hui. Une compétence. Nous sommes à la veille de la Troisième République de ce pays. Oui, j'aimerais la recruter. J'aimerais bien qu'elle sache que ce Cameroun a besoin de ces compétences-là pour la Troisième République. Et je voudrais partager avec elle mon expérience dans le radicalisme pour dire que c'est un mauvais chemin qui ne mène à rien. On parlote, on braille, on critique même, mais on ne sert à rien d'autre qu'à ça. Donc, vous avez compris. Voilà l'opinion de Jean de Dieu Momo. Son opinion, c'est quoi? C'est que l'opposition camerounaise, du moins ce qu'elle a été jusqu'aujourd'hui, était une opposition dans laquelle lui-même était. Ils ont passé le temps à bavarder, sauf que dans le fond, il n'y avait pas d'action. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que il est en train de demander à Maître Ndoki, vous-même qui êtes dans l'opposition, est-ce qu'il y a des actions concrètes qui sont planifiées, qui sont en vue d'être menées? Parce que sinon, ça reste de l'opposition de bouche. Et lui donc, les gens comme lui, ceux du G20 ou du G5, comme certains disaient, sont ceux-là qui ont voulu manger vite et ne pas souffrir dans l'attente ou bien le côté marginal de l'opposition du Cameroun. Donc, il est parti du côté du RDPC, soutenir Biya pour devenir ministre et tout ce que vous connaissez, juste parce qu'il savait que du côté de l'opposition, ça prendrait du temps. Alors, dans ce qu'il vient de dire, Jean de Dieu Momo ouvre la voie, comme pour dire, si l'opposition va de l'avant et commence à mener des actions jusqu'à ce que nous voyons la victoire de l'opposition, lui, il est prêt à changer de camp. C'est ce qu'il est en train de dire dans son message. C'est très subliminal. C'est très subliminal. Il ne critique pas les actions de l'opposition, mais il critique le fait que l'opposition reste dans le bavardage. Par contre, lui, il a mené des actions et il dit qu'il a mené des actions, sauf que on ne l'a pas voté. Et lui, comme il n'a plus d'argent pour continuer à combattre pour le Biasankon et le vote, il a décidé de partir prendre son argent ailleurs. Et il demande à Maître Ndoki, pourquoi t'as-tu encore là-bas et pourtant tu es intelligente, tu es brave, tu as tout ce que tu peux pour revenir vers nous et nous permettre aussi aujourd'hui de manger de l'argent. Parce qu'il sait, si demain on peut appeler quelqu'un pour devenir ministre de la justice là où il est, ça peut être très probablement Maître Ndoki. Donc il est en train de démontrer là que le système en place
fait des appels de balles à Michel Ndoki. Voilà les messages qu'ils ne disent pas, mais que nous on perçoit clairement dans leurs interventions. Et vous allez donc voir, il a fait l'invitation à Maître Ndoki, il démontre la volonté du gouvernement à collaborer avec Michel Ndoki, lui-même aussi à collaborer avec Michel Ndoki, puisqu'à la question de Tanguay, de savoir si est-ce qu'il veut recruter Michel Ndoki, il répond oui. Donc, voici un débat qui est très intéressant. C'est un débat qui est très intéressant. Et n'oubliez pas la phrase que je vous ai dit, qui était l'une des phrases les plus importantes, où il dit « Nous sommes à l'ère de la Troisième République. Il reconnaît donc que nous sommes à l'aube de la Troisième République, dont le changement au Cameroun, l'alternance au Cameroun, n'est plus une question de spéculation, non. C'est un fait. Et c'est le ministre de la Justice, qui est un pro-BIA, qui vous dit donc aujourd'hui lui-même qu'on est à l'aube d'une Troisième République. Et ce qu'il fait, c'est parce qu'il sait qu'on est à l'aube d'une Troisième République et qu'il est très probable que lui, il perde les mains, il perde la main. C'est pour ça qu'il essaie de tendre la main à Michel Ndoki pour dire « Demain, quand tu seras où je suis, n'oublie pas que j'ai été agréable avec toi. » Donc, on continue. On a compris que vous n'allez pas refaire de chansons bientôt. Non, je peux refaire des chansons. Parce que c'était ça la question et je crois que vous avez on est parti sur tout à fait autre chose. Pour convaincre les gens comme vous qui s'égarent que j'ai été là-bas. D'accord. Alors, avant que vous n'ayez créé un texte... Est-ce que je peux prendre une minute pour vous dire qui je suis? Puisque vous n'étiez pas là. Mais justement, permettez cet exercice. Je suis en 2005. Monsieur Momo. Celui qui défend les Ben Skinner. Nous sommes ici pour vous écouter. Et c'est ça. Monsieur Momo explique à Michel Ndoki, il dit à Michel Ndoki, il faut que tu saches qui je suis. Tu ne peux pas me juger parce qu'il y a des choses que tu ne connais pas dans le fonctionnement du Cameroun. Parce que toi, tu viens du système français. C'est ce qu'il dit, hein, c'est pas moi, c'est lui. Quand il dit que tu n'étais pas là, tu étais en France, c'est pour dire que toi, tu fais partie du système français. Pas le système, je ne dis pas le système de Macron, non, je dis... Ça veut dire que son mécanisme de réflexion, sa technique de réflexion, d'argumentation, de travail, est basée sur des technicités françaises. Ça veut dire que lui, il sait que sur le plan de l'argumentation, sur le plan du débat pur, il ne peut pas gagner avec Michel Ndoki. Donc, il essaie toujours d'aller dans le plan de la conciliation. Il dit dans Maître Ndoki, il faut que tu me connaisses, parce que si tu me connais, tu ne vas pas me juger comme tu me juges. Il veut expliquer à Michel Ndoki que la position qu'il a prise aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Et c'est ça qu'il continue d'expliquer là. J'ai défendu les Ben Skinner, j'ai défendu telle personne, j'ai défendu ça, j'ai défendu ci, j'ai défendu ci. Pour monter à Maître Ndoki, moi je suis quelqu'un qui défend aussi les causes perdues. Il veut démontrer que lui, il est aussi un combattant. Mais il est arrivé à un moment où lui, il devait prendre de l'argent. Et c'est ça qu'il essaie d'expliquer là. C'est un débat où Jean de Dieu Momo a dit beaucoup de vérités sur sa personne. Beaucoup de vérités. Bon, d'accord. Monsieur Momo, est-ce que je peux prendre une minute pour vous dire qui je suis? C'est ça. C'est ah, bon, d'accord. Monsieur Momo, nous sommes ici pour vous. Bon, je suis exactement et toujours le même. Qui a défendu, vous avez dit... Manchu Bibixi. C'était pas il y a si longtemps, c'était en 2017. De Bépanda, j'ai défendu Bouamassok, j'ai défendu Essama, André. Comment vous êtes déconstitué? Bon, vous savez, comme je suis devenu là où je suis, je ne suis plus, je ne peux plus exercer. Oui, vous devriez d'ailleurs demander votre omission. C'est pas à moi de demander, c'est la loi que je ne peux pas, donc la loi a déjà tranché. Ah ben le tribunal n'est pas... Vous m'avez... Bon Dieu, et les trucs parasites là. On vous demande simplement de vous déconstituer. Vous avez le devoir de solliciter votre omission du tableau, cher confrère. D'accord, allons-y. Et je disais donc. Vous avez remarqué, il dit en tant que ministre, il ne peut plus agir comme avocat parce qu'il doit se déconstituer comme avocat. C'est ce que la loi dit. Sauf que lui, il n'a pas lu les textes depuis. Mais quand Maître Ndoki le lui dit, elle dit que vous devez vous déconstituer en tant que tel, il dit ok, il ne conteste pas. Ça veut dire qu'il sait. Il vous dit que Jean de Dieu Momo sait que sur le plan de l'argumentation, du débat pur, il ne peut pas gagner. Donc il voit qu'il y a un point où il ne peut pas, où il doute que d'engager la discussion, il n'engage pas. Donc voici l'un des débats. Rappelez-vous, il faut voir aussi les débats que Jean de Dieu Momo a fait avant. Vous voyez que d'une part,
il y a des gens qui ont eu mauvaise foi. Vous voyez que il faut voir les anciens duels de Jean de Dieu Momo avec des personnes comme Wilfried Ekanga, des personnes comme comme Olivier Bibounissak. Vous verrez que la plupart des fois qu'il a pris le discours avec ces personnes qui n'étaient pas dans le même domaine que lui, il a toujours essayé de prendre l'argument juridique, contredit en prenant la base juridique. Par contre, aujourd'hui, même quand même avec, Olivier Bibounissak, il y a des débats où parfois il était obligé d'agir comme Sanga Nyamdim en empêchant au contradicteur de prendre la parole. Il a commencé à crier, bavarder, attaquer les gens sous la ceinture parfois, juste pour empêcher aux gens de parler. Par contre, maintenant, il est avec Michel Ndoki et il sait qu'il ne peut pas l'insulter, il ne peut pas faire outrage, il ne peut pas raconter des bêtises en tant qu'homme de droit, en tant que juriste, en tant qu'avocat. Il est bloqué. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup de points communs, ce qui fait que tout ce qu'il va dire sur le plan technique de la loi, elle va le contredire. Et lui, comme la plupart des avocats du Cameroun, sont basés sur le modèle français. Ils sont forgés sur le modèle français. Et comme elle a fait ses écoles et qu'elle lui dit, c'est lui-même qui dit qu'elle venait de France, il sait donc qu'elle connaît bien cette école-là et qu'elle a donc un cerveau encore plus frais que le sien. Donc, il veut dire à Maître Doki, même si tu es avocat de renommée, moi aussi j'en suis un et je ne fais que faire mon travail. Attendez que je... Attendez-moi une seconde, il y a des gens, quand je dis qu'il y a des gens qui ont des mauvaises, c'est quoi? C'est Jean-Nilo Michel Olinga. Ok, Olinga, si tu as le temps, hein, bon, si tu as tellement à dire, prends donc la parole et tu m'expliques en quoi ce que je dis est faux. Sinon, je vais être obligé de te faire partie de ma page, c'est comme ça que je travaille. Donc, tu as donc le temps d'appeler au numéro de téléphone qui s'affiche là en bas. Le numéro de téléphone qui s'affiche là-bas, tu interviens et tu me dis en quoi je dis ce qui est faux. Après ça, on va voir donc si tu n'es pas une mauvaise, si ce n'est pas la mauvaise foi. Donc, tu as 2 minutes pour appeler. Dès que les 2 minutes sont écoulées, je te barre de ma page. Alors, j'expliquais donc que dans ce débat avec lui, vous voyez clairement que... vous voyez exactement que... Mais apparemment, le monsieur ne voit plus le numéro de téléphone. Je mets ça en haut pour que tu vois mieux. Donc, dans cette discussion, vous voyez clairement que... Jean de Dieu Momo est en train d'essayer de concilier le discours avec Maître Ndoki. Il n'attaque donc pas le pan de la loi, mais il va dans le domaine du rapprochement. Il a failli dire le rapprochement sociologique. Alors, donc, on continue de suivre et on va aller pas à pas pour que vous voyez vous-même comment est-ce qu'il essaie de se rapprocher d'elle, d'ouvrir les bras. Mais Maître Ndoki reste professionnel en se limitant dans le contexte de son intervention. Et elle va lui dire même plusieurs fois... On est venu ici pour vous écouter. Ça veut dire que vous avez la tribune de parler maintenant. Et tout ce que vous allez dire, nous, on va prendre ça au rebond. On ne va pas vous laisser dire n'importe quoi. Donc, il sait que où il est, il doit faire extrêmement attention à ce qu'il dit. Et puisqu'il doit faire attention à ce qu'il dit, ça l'empêche donc d'être violent. Ça l'empêche donc d'être attaquatoire, d'avoir des propos attaquatoires. Il se réserve donc. Et partant de là, il prend le temps progressivement de voir... d'attaquer ici pour voir comment elle réagit, d'attaquer là-bas pour voir comment elle réagit, d'attaquer partout pour voir comment elle réagit, mais Maître Ndoki reste droit dans ses bottes et c'est ça qui le met un peu dans un état instable. Et vous allez voir que l'instabilité là va commencer à évoluer jusqu'à ce qu'il sorte de ses gonds. Alors on continue. En tant que ministre, de là où vous êtes ministre, vous devriez donner cet exemple. Donc avant que l'enfant ne pleure, j'étais en train de dire que... Nous avions c'est pour vous, hein, qu'il dit ça. Défendu Bouamassa. Nous avons défendu Essama, BBC, notre client. Je suis davantage utile. Sauf que, s'agissant d'un ministère de souveraineté, vous avez pu remarquer que dans les réseaux sociaux, je parle de tout sauf des activités liées à ma nouvelle fonction. Je ne parle pas dans les réseaux sociaux, dans les télévisions, des affaires qui regardent mon ministère. Parce que je ne parle pas ici. Voilà. Écoutez, vous voyez, Maître Ndoki reste... Maître Ndoki, l'autre me demande de l'attendre 5 minutes parce que c'est toi qui diriges ma vie, tu diriges mon temps. Incroyable. Donc, Maître Ndoki ne reste que dans le domaine de la loi. Elle dit, on est ici
Parce qu'on est venu entendre quelqu'un qui travaille, il est de l'opposition certes, mais il travaille pour le gouvernement. Et lui dit maintenant, parce qu'elle lui a rappelé qu'en tant qu'homme du gouvernement, en tant que ministre, en tant que représentant de la justice, pour garde des Sceaux, vous avez l'exigence morale de montrer l'exemple. Et il dit non, quand lui il vient sur les plateaux, il ne vient pas parler des choses ministérielles, il ne vient pas parler des choses du gouvernement. Quand il vient sur le plateau, il vient en tant que n'importe qui. C'est ce qu'il dit. Et vous voyez donc que voilà la deuxième victoire de Maître Ndoki sur lui. La première victoire de Maître Ndoki, c'est qu'elle est restée calme. Elle n'est pas tombée dans son piège d'entrer dans les émotions, non. Elle n'est pas tombée dans ce piège-là. Elle n'est pas tombée dans le piège où il dit, voilà, moi je t'apprécie, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai vu dans toi beaucoup d'intelligence, pour qu'elle dise aussi en retour que oui, voici. C'est un peu ça. Elle n'est pas tombée dans les émotions. Deuxième point, elle est restée professionnelle. Et lui, de son côté, maintenant, il sait qu'il ne peut pas l'attaquer sur ce terrain-là. Donc, elle lui dit, quand tu sors en tant que ministre, tu dois te déconstituer pour ne plus travailler en tant qu'avocat, parce que tu ne peux plus travailler en tant qu'avocat quand tu es ministre. C'est tout à fait normal. Sinon, qui va perdre un procès quand il est ministre avec un pays comme ce que nous avons? On peut donc, pardon, pour éviter ça, il doit se déconstituer. Mais il dit que non, que c'est la justice qui doit le faire. Et qui est la justice? C'est encore le ministre. Donc, il a voulu tourner Michel Ndoki dans un cercle vicieux de la pensée. C'est à Maître Ndoki de lui dire non, non, non. C'est à vous de demander au barreau de vous omettre du barreau. C'est tout à fait normal. Donc, il sait qu'elle connaît le texte. Alors, il dit ok, il quitte le. Il sait que l'armée l'a perdu. Il fuit, il va dans un autre domaine. Elle lui dit, en tant qu'avocat, en tant que ministre, vous devez montrer l'exemple donc. Parce que demain, il y aura d'autres ministres qui seront de la justice. Ils ne vont pas faire ça comme vous. Ils vont encore faire des à côté. Là. Donc, pour éviter ça, vous devez montrer l'exemple en vous déconstituant maintenant en tant qu'avocat. Lui donc, il dit que non, en tout cas, puisqu'il est du gouvernement, quand il prend la parole, il ne parle pas du gouvernement parce qu'il vient sur le plateau comme toute personne, comme tout Camerounais lambda. Et elle va donc encore le. Voici encore l'autre victoire de Michel Ndoki. Écoutez comment elle va répondre à ce que Momo va dire. En tant que ministre ou membre du gouvernement, mais en tant que président du PADEC. La tendance du gouvernement et la tendance du chef de l'État en particulier, c'est de rendre compte aux citoyens camerounais, à nos concitoyens, de l'action du gouvernement. Alors, vous, vous faites beaucoup d'autres choses. Il est élu. Je suis élu, mon frère. Oui, mais. Vous avez vu ce que c'est que l'émotion? Est-ce que vous avez vu ce que c'est que l'émotion? C'est ça l'émotion. Donc elle lui dit, vous êtes un membre du gouvernement. Le président de la République, comme les ministres, ont un devoir, c'est de rendre compte au peuple. Vous ne pouvez pas à côté de ça, parce que vous faites beaucoup d'autres choses. Par autre chose, qu'est-ce qu'elle veut dire? Vous avez le temps de faire des lives sur Facebook pour insulter des personnes. Vous avez le temps de faire des vidéos partout pour montrer que le Cameroun se porte bien. Vous avez le temps d'insulter des personnes ici, de faire ci et ça, mais vous n'avez pas le temps d'informer le peuple. En quoi vous êtes différent donc de ce Paul Biya là? Alors, il tombe dans l'émotion. Il dit, mon frère, est-ce que je vais faire? Il commence à... Vous, entendez-vous-même, je vais encore rentrer un peu pour que vous écoutiez le registre. On appelle ça en français le registre. Le registre, et vous voyez bien, regardez les yeux, vous allez voir que dans les yeux, il sait qu'il a perdu. Il sait qu'à cette intervention de Maître Ndoki, il a perdu. Et ce n'est plus Maître Ndoki qui regarde. Il va chercher la compassion de quelqu'un qui est à côté de lui pour tourner en dérision la question qui a été posée et ne donc pas répondre à la question. Regardez, regardez juste ses yeux et écoutez ce qu'il va dire. Oui, mon frère. Oui, mais... Je vais rentrer un peu hein, pour que vous écoutiez mieux. Ou membre du gouvernement, mais en tant que président du PADEC. La tendance du gouvernement et la tendance du chef de l'État en particulier, c'est de rendre compte aux citoyens camerounais, à nos concitoyens, de l'action du gouvernement. Alors, vous, vous faites beaucoup d'autres choses. Il est élu. Je suis élu, mon frère. Oui, mais il n'y a pas que vous. Il n'y a pas que vous. Donc, il dit, est-ce que moi, je suis élu, mon frère? Et vous voyez que là, il commence à regarder les gens autour d'eux pour les amener à rire. Parce qu'en parlant de cette façon-là, il sait qu'il parle comme un gâtisa. Est-ce que j'ai été élu, mon frère? Ça, c'est un ministre qui parle comme ça. Donc, il n'est plus dans le sens du débat. Il cherche l'affection de ceux qui sont autour. Il dit ça en regardant Tongue, le modérateur, pour soutirer un sourire au modérateur. Après, il va regarder de l'autre côté pour soutirer le sourire des autres personnes qui sont avec lui dans la salle. C'est un peu pour garder, pour se réconforter du fait que, voilà, il a pu échapper à la question en attirant
autour de lui quelques opinions qui lui étaient favorables. Mais ça ne passe pas puisque Michel Ndoki va continuer. Vous êtes sur les plateaux de télévision. Bon, peut-être regardez. Peut prendre ce risque. Je suis dans un ministère. Vous trouvez que c'est risqué? Pourquoi est-ce que vous trouvez que c'est risqué? Non, je ne peux pas. Je vais vous dire pourquoi. Nous avons. Vous, la question était simple. Donc, vous avez vu, Michel Ndoki a réussi à l'amener à dire que les ministres camerounais ne peuvent pas prendre la parole pour parler et rendre compte au gouvernement, au peuple camerounais. Maître Ndoki a amené Jean de Dieu Moumou à dire, à avouer aux Camerounais qu'aucun ministre ne peut prendre la parole pour rendre compte aux Camerounais. Ça veut donc dire que les ministères du Cameroun ne sont pas dirigés par les ministres. Ils sont dirigés comme des personnes, comme par des personnes qui rendent compte juste à l'État, au président, ou bien à celui que l'État représente au Cameroun, si c'est l'ambassadeur français, si c'est Biya, si c'est qui que ce soit, mais il n'agissent pas de façon autonome. Parce qu'il dit que moi, je ne peux pas. Je ne peux pas venir faire ça. Et si les autres peuvent faire, eux, c'est leur problème. Si quelqu'un peut faire ça, si quelqu'un peut prendre le risque, c'est ce qu'il dit. Si les autres ministres peuvent prendre le risque de le faire, moi, je ne peux pas le faire. Ça veut dire que chaque ministre qui veut garder sa tête n'a donc pas intérêt à informer le peuple de ce qui se passe dans le Cameroun. Voilà ce que Jean de Dieu Moumou vient de dire. Une autre victoire de Maître Ndoki. On continue. Vous oubliez la guerre. Ne m'interrompez pas. Ne m'interrompez pas. Ne m'interrompez pas, monsieur Moumou. Est-ce que vous savez qu'il y a eu la guerre? Ne m'interrompez pas, monsieur. Est-ce que vous savez qu'il y a eu la guerre, madame? Je vous l'ai déjà dit. Je vous l'ai, excusez-moi. Maintenant, vous remarquez, vous avez vu que Jean de Dieu Moumou commence à sortir de sa zone de confort. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est en train de perdre le débat. Il sait qu'il est en train de perdre le débat. Et d'une certaine façon, il sait qu'on va lui dire, tu n'as pas pu tenir face à Maître Ndoki. Et le mieux, c'est donc quoi? C'est commencer parce qu'il a vu que Maître Ndoki, avec la tangente qu'elle a prise, est totalement en train de gagner. Parce que dans le débat, j'ai expliqué dans mes vidéos, pour ceux qui ne connaissent pas, allez dans mon Facebook, dans mon WhatsApp, le lien est en bas là de votre écran. Vous allez voir dans mon YouTube, le lien YouTube que j'ai mis là en bas, j'explique comment est-ce qu'on fait pour gagner un débat. C'est très technique le débat. On ne dit pas les choses pour dire. Il y a des façons de les dire, il y a des moments pour les dire. Il faut savoir lire la personne qui est en face de vous. C'est toute une école. Et j'explique là-dedans qu'il y a le temps. Il faut savoir gagner le temps de l'autre personne, contrôler le temps du débat. Et vous voyez, c'est Maître Ndoki qui dit « Ne m'interrompez pas ». Ne m'interrompez pas, ne m'interrompez pas, ne m'interrompez pas. C'est elle qui prend la position du débat et elle décide donc sur le plateau de dominer Jean de Dieu Moumou. Son but à elle dans cette intervention, c'est qu'elle veut amener Jean de Dieu Moumou à sortir de ses gonds pour dire des choses qu'il ne va pas contrôler. Et ce n'est que dans ces moments-là qu'il sera obligé de rappeler son autorité en tant que ministre. Et là, il aura perdu le débat. C'est ça. Donc, c'est un peu ce qu'elle veut faire. Maintenant, Jean de Dieu Moumou commence à vouloir utiliser donc l'ancienneté. Il commence à utiliser les circonstances atténuantes. Quand il parle de la guerre, c'est pour dire que parce qu'il y avait la guerre, le gouvernement camerounais ne pouvait pas donc régler les problèmes que Maître Ndoki est en train d'évoquer. Donc, suivez bien. Excusez-moi. 2020, mais attendez. Je vous l'ai dit, monsieur Moumou, nous sommes ici pour vous écouter. Allez-y. D'accord. Mais il faut que vous laissiez l'autre terminer. Oui. Nous sommes ici pour vous écouter. Maître Ndoki gagne le débat et gagne le temps, premièrement. Deuxième point, et gagne l'espace. C'est quoi l'espace dans le débat? Je vous invite vraiment à aller suivre cette vidéo que j'ai faite où j'explique comment est-ce qu'on fait pour gagner un débat. Elle gagne l'espace. Ça veut dire, quand elle prend la parole, elle martèle ce qu'elle veut dire jusqu'à ce que Jean de Dieu Moumou abandonne. Il dit, bon, ok, voilà, je laisse, allez-y, finissez. Là, elle a gagné. Elle a pris le temps, elle a pris l'espace. Le troisième élément, il y a des silences qui vont intervenir. Vous allez voir comment Maître Ndoki utilise les silences pour amener Jean de Dieu Moumou à parler. Mais on va venir là plus tard. Donc là, maintenant, Maître Ndoki dit agent de Dieu Moumou, nous sommes ici pour vous écouter. Vous allez parler, ça veut dire que vous allez parler. Ne croyez pas que vous n'allez pas parler. Et si on voit maintenant entre les lignes ce que Maître Ndoki peut-être le dit sans savoir, je ne sais pas. Ce qu'elle dit en réalité, c'est que monsieur Jean de Dieu Moumou, vous êtes à la barre. Elle dit en d'autres termes,
Jean de Dieu Momo, tu es à la barre. Rends des comptes. Viens dire ici aux Camerounais ce qui se passe dans ton ministère. Viens rendre des comptes au peuple camerounais. Donc, elle se comporte comme une présidente de tribunal qui est en train de juger un ministre de la Justice. Il faut que vous compreniez un peu le niveau de ce débat. C'est une fessée monumentale qu'elle est en train de donner à Jean de Dieu Momo. Il y a quelqu'un qui me dit « S'il vous plaît, la constitution du Cameroun est claire. Le ministre peut n'est pas obligé de rendre compte au peuple. Il n'est pas élu. Si Maître Ndoki veut un rapport du ministre, qu'elle fasse les... Moi, je ne vois pas où ça gagne. » Bon, regardez, il y a des choses assez simples. Le ministre n'est pas un élu du peuple, c'est une vérité. Il n'est pas un élu du peuple, on peut dire ce qu'on veut. Mais le ministre, dans ses charges, dans son portefeuille, rend compte. Il y a des comptes rendus que chaque ministère donne. Le premier ministre n'est pas le chef du gouvernement pour rien. C'est parce que le premier ministère rend des comptes au peuple. Pour ceux qui sont en Europe, regardez par exemple ce que le premier ministre français fait. Il rend des comptes tout le temps au gouvernement. Comment il rend des comptes? Il rend des comptes en faisant des rapports à des institutions. Il rend des comptes en intervenant dans des sorties publiques, dans des médias reconnus, pour expliquer au peuple ce qui se passe dans la gestion de la cité. Les ministres lambda, qu'est-ce qu'ils font dans les républiques normales? Ils vont dans les débats. Les présidents vont dans les débats parce qu'il faut rendre compte. Il faut se confronter au peuple pour expliquer au peuple pourquoi est-ce que telle décision a été prise au détriment d'une autre décision. C'est tout à fait normal. Ici en Allemagne, les ministres sont devant les médias, ils sont confrontés à des médias, ils sont confrontés à la presse. Quand ils prennent une décision, ce qui se passe après, c'est quoi? C'est une conférence de presse immédiate dans laquelle les journalistes, l'opinion publique vient demander au ministre de rendre compte par rapport à la prise ou telle d'une décision. Le maire rend compte, le sous-préfet rend compte, les députés rendent compte. Tout le système, tout l'appareil étatique a le devoir de rendre compte. C'est ce qu'on appelle des charges régaliennes. Alors que ce soit écrit dans la Constitution, ce n'est pas important. Le plus important, c'est comment est-ce que l'appareil de l'État fonctionne. Ça fonctionne par des comptes rendus. Quand vous faites l'école, à la fin de l'année, à la fin du trimestre, quand vous passez, l'établissement dans lequel vous travaillez, le chef de l'établissement n'a pas été élu. Non, mais il rend compte à la hiérarchie. Pourquoi? Parce que c'est un système de compte rendu. En langage facile, ça s'appelle l'administration, la bureaucratie. Elle ne se fait pas de façon parlée seulement. On dit l'administration est écrite. Donc, quand on fait quelque chose, on doit toujours rendre compte. Et Jean de Dieu Momo n'est pas un ministre extraordinaire, il n'est pas un ministre surnaturel, il est un ministre qui s'inscrit dans la ligne de tous les ministres du monde. Et à ce titre, il se doit de respecter le fonctionnement de l'État, qui est les gouvernants et les gouvernés. Et c'est quoi le rapport entre eux? C'est un échange. Pourquoi? Pour améliorer les conditions de vie du territoire. C'est ça le rapport entre les gouvernants et les gouvernés. C'est de ça qu'il est question. Donc, je vais continuer. J'espère que j'ai pu répondre à la question de la personne qui ne comprenait pas pourquoi je disais que Jean de Dieu Momo est en train de passer à la barre. Parce que c'est ce que Maître Ndoki disait. Elle est en train de lui dire en d'autres termes que tu es à la barre et viens t'exprimer face au peuple camerounais. Alors, je continue. Une fois que vous ferez ça, je ne vous laisserai pas. Bon, allez-y alors, allez-y. Nous allons parler chacun à son tour, ça va marcher comme ça. Et nous allons avoir... Ah, ben... Vous voyez que... Dans la victoire de Jean-Jean, je vous parlais, le temps et l'espace, vous voyez que Maître Ndoki donne les règles du débat. Nous allons avancer comme ça. Elle ne dit pas que j'aimerais, non. Elle ne dit pas s'il vous plaît, non. Elle dit nous allons avancer comme ça. Comme ça, comment? Comme moi j'ai dit. Ça veut dire, vous êtes ici pour parler, on va vous donner le temps pour parler, vous allez parler, mais quand on va vous donner la possibilité de parler? Donc vous êtes ici, c'est moi qui dirige les choses. On va vous entendre, vous allez prendre le temps d'expliquer et vous donnerez exactement chaque élément à chacun, sans problème. Et vous ne pourrez pas imposer quoi que ce soit ici parce qu'on est dans un débat public. C'est ce qu'elle dit. Et je vous dis qu'elle le dit parce qu'elle veut forcer Jean de Dieu Momo à sortir de ses gonds pour mettre devant le pouvoir dictateur, pour être obligé de sortir l'arme. C'est comme quelqu'un qui nague un policier en fait quoi. Jusqu'à ce que le policier sorte l'arme et il dit, voilà, il n'a pas pu... Parce que la violence n'agit que lorsqu'on a perdu.
La violence n'arrive que lorsque la raison a perdu, lorsque la force de conviction n'y est plus. Là, on utilise la violence pour convaincre, pour imposer la victoire. Donc, on continue d'écouter. Vous n'avez même qu'à voir la position que Jean de Dieu Moumou prend. Il sait que sur le plan de l'argumentation, il a perdu avec elle. Il le sait. Donc, je vais encore lire quelques commentaires. C'est un live ouvert, donc je prends le temps de lire ce que vous dites. Le ministre de la Santé n'a pas arrêté de répondre aux questions qui lui ont été posées depuis le début de la pandémie. Mais Stevie, actuellement, même en France, les ministres de la Santé et de chargés de la communication sont en train de rendre compte, justifier les actes dans le dossier de COVID. Tout à fait, chacun doit rendre compte tout le temps. Tout le temps, ils doivent rendre compte. C'est un devoir. Moi aussi, j'ai vécu 12 ans en Allemagne, étudiant à l'Uni de Saarbrücken. Tout à fait. En Allemagne, on rend compte. C'est un devoir. Quand vous voyez, même Zéofa, ils rendent compte. Vous voyez, même Frau Merkel rend compte. Frau Merkel va même jusqu'à aller, elle va même jusqu'à dans les chaînes YouTube des jeunes Allemands parce qu'elle veut que là, elle veut rendre compte à la jeunesse allemande. C'est comme ça. Donc, on ne doit pas comparer, on ne va pas faire une comparaison entre l'Allemagne et le Cameroun, bien entendu, mais si le Cameroun considère qu'il est un État, il devrait aussi se comporter comme un État. Et le comportement d'un État, c'est bien entendu que les gouvernants rendent compte aux gouvernés. C'est ça, c'est tout simplement. On continue. Vous convient donc. Merci de me laisser finir. Le Cameroun n'a fait que 4%. Alors, il a des phénomènes explicatifs. Nous sommes des experts dans l'art de nous trouver des excuses et je sais qu'il y a un certain nombre d'excuses applicables dans le cas d'espèce. Sauf que vous n'étiez pas responsable de la croissance. Le ministère de la Justice avait sa petite part à faire dans le DSCE et c'était renforcer l'unité nationale et consolider la démocratie en promouvant les idéaux de paix, de liberté, de justice, de progrès social et de solidarité nationale. Qu'est-ce que vous faites, vous, aujourd'hui, pour promouvoir l'idéal de justice en tant que président du PADEC, Monsieur Momo, puisque vous défendez des valeurs et je crois que c'est pas que vous avez été nommé ministre. Certains pensent que, en fait, on désigne des ministres pour leur permettre de manger et de. Vous connaissez, en mathématiques, il y a une théorie que j'adore. En mathématiques, on appelle ça le raisonnement par l'absurde. Ça veut dire, on passe par un raisonnement qui est absurde pour déboucher à la vérité. Donc, ça veut dire, ce qui est dit à la base n'est pas quelque chose de vrai, mais on utilise ce qui n'est pas vrai pour passer par ce qui est pour arriver à ce qui est vrai. On sait tous que Jean de Dieu Momo n'a pas été nommé ministre parce qu'il défendait les droits de l'homme, puisque lui-même d'ailleurs au début de l'entretien a dit qu'il est devenu ministre, il a quitté le camp des opposants. Pourquoi? Parce que là-bas, on opposait, on bavardait, mais il n'y avait rien de consistant, il n'y avait pas d'action et on ne l'a même pas voté. Donc, il a préféré quitter les bêtises pour aller du côté de la sardine. C'est lui qui le dit. Donc, on sait donc qu'il n'a pas été ministre parce qu'il se battait trop pour les Camerounais, puisqu'il a abandonné la cause. Il s'est même déconstitué pour des cas de personnes, comme Mancho BBC. Il l'a dit encore dans l'entretien. Donc, elle dit que vous n'êtes pas ministre, vous êtes devenu ministre aujourd'hui parce que vous défendiez une certaine cause. Donc, elle passe donc par l'absurde pour aboutir à la vérité. En d'autres termes, elle veut savoir pourquoi est-ce que toi, on t'a nommé ministre alors que tu ne défends personne, alors que tu ne défends aucun intérêt, tu ne soutiens pas les Camerounais, alors que tu as abandonné la cause de l'opposition. Pourquoi toi, tu es ministre aujourd'hui et pas un autre? C'est la question qu'elle lui pose en fait. Mais elle masque ça en passant par le raisonnement, par l'absurde. Et en l'obligeant donc maintenant à dire ce que lui fait en tant que ministre et pourquoi il est même ministre au Cameroun. Part à leur fin et de découvrir de nouvelles marques de champagne et de changer leur garde-robe et de s'acheter de nouveaux costumes. Je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est une injustice à vous faire. Je crois qu'on nomme des ministres. D'accord. Vous m'avez, Roderick Tongué, signalé que c'est une émission d'impertinence. Oui. D'impertinence. Oui. Je tolère ces genres d'impertinence. Je les accepte. Mais pas d'outrage. Oui. Mais... Voilà. Voici, il dit, Monsieur le journaliste, vous m'avez invité sur votre plateau
Vous m'avez dit que ça pouvait être agressif. L'impertinence. L'impertinence, ce n'est pas le mépris seulement. L'impertinence, c'est quand quelqu'un qui n'a pas la posture qu'il faut vous méprise avec une arrogance. Et il dit donc, vous m'avez parlé d'une impertinence. Mais Tongue lui dit, mais pas d'outrage. Ça veut dire que elle ne vous a pas attaqué sous la ceinture. Elle ne vous a pas attaqué, elle n'a pas outré votre personne. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas avoir de poursuite judiciaire parce qu'elle est dans le contexte du débat. Et il accepte, il dit oui, c'est vrai. Mais il est en train de noter quand même à côté qu'elle est en train de m'insulter. Donc il est en train de le dire, qu'elle est en train de m'insulter. Et vous voyez que progressivement, Maître Ndoki est en train de gagner parce que Jean de Dieu Momo commence déjà à sortir de ses gonds peu à peu. Voilà. Je ne veux pas que ça glisse à l'outrage, ni à l'injure, ni au dénigrement. Parce que sinon, je serais obligé d'enfourcher la même verve. J'ai les effets avant vous. Donc vous si je veux je crois. Vous traîner dans la boue ici, je n'aurai aucune pitié que vous êtes une dame. Oui. Que je suis fou. Donc, vous avez compris. La partie que j'ai enlevée, c'est quand il dit que si Maître Ndoki continue de le mépriser, de l'attaquer, d'essayer de l'humilier, il va utiliser sa posture donc de ministre maintenant pour l'humilier elle. Et il n'aura aucun sentiment, même si c'est une femme. Ça veut dire que dans cette première partie, Maître Ndoki a gagné. Elle a largement gagné sa part. Alors, je vais prendre le temps de regarder la suite du débat et de mettre encore les idées importantes, les idées phares qui devraient retenir votre attention pour que si une autre fois on se retrouve et qu'on en parle, que je vous dise un peu avec le plan analytique comment est-ce que nous y en sommes arrivés et comment, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce débat-là. Je vais de temps en temps parfois revenir comme ça sur des débats intéressants pour donner avec ma petite capacité de lecture sur le plan technique, comment est-ce que les débats sont constitués. Mais je dois déjà vous dire qu'au Cameroun, il y a très peu de personnes qui savent débattre. Il y a très peu de personnes qui savent débattre publiquement. Beaucoup viennent se chamailler, s'engueuler. Ça fait que quand je vois un débat qui est fait dans les règles de l'art, avec des personnes qui savent débattre, pour moi, c'est... Imaginez, je suis content. Je suis comme un enfant qui a ramassé un jouet en route. Donc, je suis content. Je le prends vite fait et je commence à travailler dessus. Donc, ce débat-là était très intéressant et j'ai dit que je ne peux pas passer à côté d'un truc comme ça sans toutefois vous expliquer parce que sinon ça va passer comme ça, on ne va pas comprendre ce qui a été dit dedans. Donc dans ce débat, Jean de Dieu Momo a dit beaucoup de choses. Il a dit beaucoup de choses, Maître Ndoki a dit beaucoup de choses et elle a démontré quelque chose, c'est qu'au Cameroun, on peut avoir un débat public sérieux. Donc avec des personnes comme Maître Ndoki, vous comprenez qu'elle prépare ses débats. Quand elle fait son débat, elle ne vient pas jouer. Elle ne vient pas jouer au ping-pong avec les gens. Donc, elle vient travailler. Et je rappelle encore, pour ceux qui parlent de formation là, je donne des formations pour apprendre aux gens comment est-ce qu'on fait les débats. Parce que savoir parler, ça prend. On apprend à parler. On apprend à s'exprimer. On apprend à tenir les discours. Même le professeur Maurice Kamto, quand vous entendez ses discours, je peux vous dire... Quand j'entends les discours du professeur Maurice Kamto, je sais un peu comment est-ce qu'il a travaillé pour atteindre ce niveau. Et ce sont des choses qui s'apprennent. Il y a des formations que je donne comme ça, où vous-même vous voyez, en 3 semaines maximum, vous prenez la parole devant n'importe qui, vous parlez et on vous écoute. Vous devenez quelqu'un qui sait être captivant. Ce n'est pas parce que je veux que vous partiez draguer les femmes, non, ce n'est pas ça. C'est parce que nous sommes dans une société où on a besoin des leaders. Et les leaders sont ceux qui savent prendre la parole. Qui, lorsqu'ils prennent la parole, attirent les regards des gens. Quand vous prenez la parole quelque part, il faut qu'on sache que voilà quelqu'un qui parle. Et vous devez maîtriser ça. Qui maîtrise l'oratoire, c'est quelqu'un qui ne souffre pas. Parce que tout orateur vit aux dépens de celui qui l'écoute. L'occasion fait le larron. Il faut savoir prendre la parole. Et dans la façon de parler du professeur Maurice Kamto, vous allez remarquer qu'il utilise une partie. Il utilise ce qu'on appelle la redondance parfois en termes oratoires. Ça veut dire qu'il insiste parfois sur certaines consonnes. Il y a des gens, ce sont des techniques d'oration, ça s'apprend. Il y a des personnes comme son porte-parole, Olivier Bibounissa, vous voyez que les deux s'expriment pratiquement de la même façon.
Vous allez voir. Pour ceux qui ne savaient pas, prenez le temps dès aujourd'hui de voir quand Olivier Bibou-Nissar prend la parole. Vous allez voir s'il parle, s'il dit peut-être une phrase du genre « Je m'appelle Olivier Bibou-Nissar et j'adore les consonnes », il va dire « Je m'appelle Olivier Bibou-Nissar et j'adore les consonnes ». Il va insister sur certains mots avec le ton pour que vous compreniez que voilà où il veut que vous ayez l'insistance. Et ce sont des façons de communiquer subliminales. Même si vous le vouliez ou pas, ça agit dans votre système nerveux parce que le corps humain est conçu de telle sorte que certains mots dits d'une certaine façon n'agissent plus seulement dans vos neurones, mais que ça agisse au niveau supérieur, dans le surmoi, dans le ça. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que les publicités que vous voyez, en quelques secondes, vous voyez une image, mais ça ne quitte plus de votre tête. Les Allemands appellent ça « Ohrwurm » pour certaines musiques, certains sons que vous écoutez. Ça reste dans votre tête à tout moment. Vous vous retrouvez en train de murmurer une chanson, de susurrer une chanson tout le temps. Parce que c'est arrivé là en haut, dans votre balcon, et que ça ne veut plus quitter. C'est aussi comme ça qu'on vous apprend à prendre la parole, de sorte que peu importe où vous êtes quand vous parlez, que ce que vous avez dit reste dans les têtes des gens, et que chaque fois qu'ils vous voient, ils se rappellent que le gars a tenu un discours quelque part. C'est comme ça qu'on apprend. Donc, je donne des formations de cette nature-là, mais comme depuis j'étais malade, je l'ai dit dans le live que j'ai eu hier, j'étais malade, donc j'ai été longtemps alité, mais maintenant je commence à revenir à moi, et donc je vais préparer les prochaines formations. Mercredi à venir, mercredi prochain, je risque de faire une formation, mais il y a déjà beaucoup de personnes qui sont enregistrées, parce que généralement j'ai fait les formations avec 15 personnes maximum. Quand c'est plus de 15 personnes, ça me dérange parce que je préfère prendre le temps de parler avec chaque personne, de travailler avec chaque personne, de sorte que chacun s'en sorte, chacun comprenne exactement ce que je veux. Parce que l'objectif pour moi n'est pas de me faire de l'argent, c'est pas ça. Et le plus important pour moi, c'est que chaque Camerounais, chaque Africain devienne un leader potentiel. Si c'est en Allemagne que vous êtes, il faut que vous sachiez vous exprimer en allemand, mais comme des Allemands. Si vous êtes en France, il faut que vous vous exprimiez en français, mais d'une façon tellement propre. Chacun doit devenir le leader de sa propre vie. C'est à ça que je veux bien que chacun de nous aille. Parce que moi, on m'a appris ça gratuitement. Et j'ai payé pour certaines formations. Donc, il y a des formations que je fais qui ne sont pas gratuites. C'est tout à fait normal. Parce qu'il faut que je les prépare. Donc, de toute façon, mercredi prochain, il y aura une formation sur comment est-ce que vous pouvez prendre la parole, comment faire des lives. Je vais vous dire les logiciels que j'utilise pour faire mes directs. Comment est-ce que je mets ces logiciels ensemble? Comment est-ce que j'arrive à faire des lives de chez moi? Je vais, dans ma formation, pour ceux qui ont déjà fait mes formations, vous pouvez prendre le temps d'expliquer aux autres comment mes formations se passent. C'est sur Zoom. Et quand je l'ai fait, vous pouvez voir tout mon studio à l'intérieur. Comment est-ce que mon studio est? Comment est-ce que j'ai organisé ça? Comment est-ce que je filme avec le téléphone? Quel téléphone je choisis pour prendre des images? Quelle qualité de caméra je choisis? Quel microphone je choisis? Quels sont les réglages que je fais sur l'ordinateur? Est-ce qu'il faut payer pour faire de bons lives? Est-ce qu'il faut faire des lives avec des logiciels gratuits? Comment est-ce qu'on les travaille? Comment est-ce qu'on fait? Comment on choisit le bon flyer? Comment on choisit le bon logo? Comment est-ce qu'on choisit le son? Comment on règle le son? Comment on règle la lumière? Il y a des lumières qui sont agréables la nuit. Il y a des lumières quand je fais le live la nuit. Il y a des lumières que je mets. Et quand je fais le live la journée, il y a des lumières différentes que je mets. Tout ça joue dans la psychologie. Et c'est important pour vous de savoir ça. Parce que demain, la vie de demain, c'est une vie numérique. Demain, tout ce que nous faisons aujourd'hui, il va falloir oublier ces habitudes-là pour entrer dans le monde numérique. Demain, ceux qui vont savoir manipuler l'ordinateur, manipuler l'outil informatique, vont être les gens qui vont gagner leur vie. Et chacun de vous devrait être une de ces personnes-là. Donc, c'est pour ça que je propose des formations dans ce sens.